Paolo, aujourd'hui, nous allons dessiner un des robots iconiques de la série Star Wars, les Battle Droids. Alors, voici la forme générale d'une goutte d'eau inversée. Et puis, sur cette goutte d'eau, nous allons ajouter des épaulettes de chaque côté. Alors, des triangles arrondis, si on veut. Comme ceci, un à gauche et celui-ci à droite. Avec une petite partie arrondie, ici à la droite. Et ensuite, on y attache ici où, la position d'où seront ses mains. Alors, voici un point qui nous vise directement avec ses deux doigts, les deux doigts métallisés. Ici, il aura son bras allongé. On aura son bras gauche là, qui sortira directement vers la gauche. Et puis, on a son avant-bras ici. Pas son avant-bras, mais son bras plutôt. Ici, les canons du côté droit. Avec des petits trous à l'intérieur d'où proviennent les lasers. Cette partie arrondie en haut. Son pouce de ce côté-ci. Voilà. Donc, un petit peu de détail au niveau des doigts. On va effacer les lignes qu'on n'a plus besoin. On va lui ajouter ici, de chaque côté de son visage, il y a des bosses. J'imagine que c'est de l'armement. Pas de l'armement, mais des boucliers pour protéger sa tête. Son visage allongé qui vient à son museau aussi. J'imagine sa caméra qui représente ses yeux sont là-dedans. Le nez que nous allons noircir. Il y a de l'ombre ici. Il faudrait imaginer que la lumière vient d'en haut et à gauche. Alors ici, on pourra lui faire des ombres qui reflètent cette réalité. Donc tout ceci sera foncé. Même chose pour l'autre côté. On fait la même partie arrondie et le devant foncé. Et là, vous pouvez remarquer que je suis en train de dessiner avec une ligne très pâle. Hein. J'appuie pas trop fort parce que je veux être capable d'effacer ces lignes-là plus tard. Alors j'y vais d'une technique très très légère. Puis plus tard, on ira mettre des lignes plus foncées ensuite. La cage thoracique de ce personnage ici. Donc sa poitrine se termine là, dans une belle ligne courbe. Et on peut lui faire son épaisseur ici du dos. Donc il y a un cercle ici sur le côté. Et on efface la ligne du milieu. On peut mettre un peu plus de détails au niveau de sa main ici. Encore très sombre l'intérieur, voilà. Pour faire quelques détails au niveau de cette partie ronde ici, donc une épaisseur. L'ombrage. Si on peut aller dessiner le devant du robot, l'endroit où ça s'attache à ses hanches. Très simplement comme ça. Avec des éléments de détail ici à l'avant de... au niveau de la poitrine. On va lui faire une autre ligne ici. Courbe comme ça, un petit peu plus épais au niveau de la forme. Nous allons effacer les lignes de construction. Ajouter des petits reflets. Il faut dire que c'est un personnage qui est métallisé, alors il faut faire des genres de reflets métalliques. Au niveau de la vitrine ici, il faut que ça soit comme si c'était des lunettes fumées, si on veut. Là. Alors, pour analyser le reflet dans la vitre d'un casque ou dans la visière, prenez des lunettes que vous avez à la maison, analysez la façon dont la lumière reflète dans les lunettes, et puis vous pouvez redessiner ce que vous voyez dans vos dessins, dans vos illustrations. Nous allons retracer ces cercles avec les trous de laser ici. On rend ça foncé.
comme ça. Un petit peu d'ombre en dessous. Si on n'oublie pas que la lumière vient d'en haut à gauche, il faut que ça soit sombre en dessous de tous les éléments. Voilà, une forme qui agence ces deux pièces arrondies. Comme ceci. Voilà. Avec un petit peu de détails autour de son canon. On va colorier ça sombre pour pousser cette pièce vers l'arrière du canon. Et un petit peu de détails au niveau de son épaulette droite. Et nous allons retracer les doigts ensuite pour donner un petit peu plus de visibilité au niveau de cette pièce. Voilà. Alors, on retrace tout simplement les lignes qu'on a mis, les lignes que nous avons dessinées, les lignes de base. Voilà. De rigueur, il est mieux de commencer à gauche de notre illustration si nous sommes droitiers. De cette façon, on ne barbouillera pas notre illustration avec notre main. Mais bon, j'ai commencé ici à droite, et puis ben, je vais continuer. Mais il aurait fallu que je continue à dessiner. Donc, je commence en fait à gauche pour ne pas barbouiller ma feuille avec ma paume. Mais ça ne me dérange pas vraiment. Avoir un peu de barbouillage sur le dessin donne un peu de caractère de toute façon. Alors, attaquons-nous au bras gauche avec son coude ici, un genre d'ovale. Son avant-bras, qui a toutes sortes de petits cylindres, des petits cylindres qui sortent de l'avant-bras. On n'a pas des avant-bras très massifs, ce robot. Ce ne sont que des porte-canons. Voici le premier canon. Il y en aura deux, côte à côte, en miroir, si on veut, avec une partie arrière arrondie comme ceci. Voilà. Le deuxième canon, on le voit sortir ici du côté, un petit peu plus long que le premier. La perspective permet de faire ça. Sa main fléchit. Il ne veut définitivement pas tirer sa main avec ses propres canons. Alors la main est pliée vers l'avant et vers le bas. Les mêmes doigts. Comme sur la main droite, finalement. Voilà, avec son pouce, la partie supérieure de la main qui vient s'attacher à l'avant-bras ici. On va lui faire l'épaisseur du cercle de son coude. Ce sont des pièces métallisées, machinées. Colorions l'intérieur comme ceci. Avec la petite épaisseur sur le côté comme ça. Voilà, une épaisseur supérieure comme ceci. Et retraçons nos lignes pour les rendre plus foncées maintenant que nous sommes satisfaits du détail. Et on colore le tout en dessous ici. Et cette pièce. La majorité du robot sera grisée, donc nous allons colorier le tout. Faudra laisser du blanc, bien sûr, uniquement où il y aura des reflets dans ce personnage, mais c'est pas un métal qui est super réfléchissant comme notre personnage Terminator qu'on a fait il y a quelques mois. Le Terminator est presque fait de chrome, tandis que celui-ci, il est un métallisé, un métal qui est pas très réfléchissant. Donc on n'est pas obligé de faire des reflets très détaillé, mais il faut lui donner cette sensibilité métallique. On retrace le tour des doigts et son bras ici à l'arrière qui devient un petit carré au bout de la pointe. Nous pouvons diviser certaines pièces et faire ses épaulettes. On devrait voir son bras ici, son avant-bras dépasser vers le côté un petit peu.
tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de regarder l'ensemble de mon dessin et d'y ajouter des pièces que je pense pourraient être excellentes pour ce personnage. Donc j'embellis, j'ajoute, je bâtis, je construis. Et on colorise cette pièce en entier. Foncé comme ça, plus foncé dans le bas bien sûr, parce que la lumière ne touche pas cette section. Lui retracer la poitrine, revenir vers le haut, petite courbe, comme ça. On va retracer jusqu'à l'arrière, comme ceci. Et le cercle maintenant. Hop! Et ce qu'on recherche, c'est du contraste. Des différences de teinte entre des tons foncés et le papier qui est blanc. Donc on veut là, que l'ampleur de nos tons varie. Alors on va faire en sorte là, que notre crayon, parfois on appuie dessus très fort, d'autres fois très pâle, pour donner un beau contraste dans cette illustration. On redivise nos pièces. Vous n'êtes pas obligé, hein? C'est pas nécessaire d'avoir des belles lignes définies au niveau des lignes de contour. Dans la vraie vie, il n'y a pas de lignes de contour. Ce ne sont que des couleurs qui divisent les objets. Mais des lignes en dessin, c'est ce qu'on utilise généralement. Mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Il y a des gens que je connais qui n'utilisent pas de lignes de contour du tout. Et ça fait des dessins un petit peu plus réalistes. Dans notre cas, c'est un petit peu bande dessinée. Alors, des lignes de contour vont de soi. Colorier le côté de son visage, donner un petit peu plus cet effet métallique. Si vous voulez prendre un exemple d'éléments métalliques, regardez les roues d'automobile. Ceux-ci sont métallisés, parfois sales. Des excellents exemples, en fait, pour faire d'illustrations, pour dessiner du métal. C'est un truc qu'il faut faire si on veut s'habituer à dessiner des éléments, c'est de porter attention à l'environnement et de dessiner ce que l'on voit. Très important. Le fait de dessiner tout de l'imagination, ça va, mais l'imagination est alimentée par la vie réelle. Alors c'est bien de porter attention à ce qui se passe autour de nous et de reproduire ce que l'on voit. Si on reproduit assez souvent ce que l'on voit, après on n'a plus vraiment besoin de cette image pour nous aider. On peut tout simplement dessiner de mémoire. Mais ça peut prendre du temps. Alors on prend notre temps, on dessine ce que l'on voit, et graduellement on n'aura plus besoin d'images de base ou des images pour nous aider à dessiner le tout. Des exemples. Le personnage s'en vient bien. C'est un dessin assez simple aujourd'hui. C'est pas trop complexe. Pas trop comme l'Alien ou le Predator ou le Terminator qui sont très avancés, des personnages très détaillés. Celui-ci, pas si pire. Pas si difficile. C'est sûr que si vous commencez en dessin, ça peut être difficile. Mais ceux et celles qui me suivent depuis 2010 devront être capables de faire cette illustration-là. Si vous n'y parvenez pas, c'est pas grave. C'est pas un test, c'est pas un examen. Le but, c'est de le faire à plusieurs reprises jusqu'à temps qu'on le réussisse. Et n'oubliez pas que vous avez le plein contrôle de la vidéo. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, la faire avancer, la reculer. Et encore une fois, ce que je recommande généralement, c'est de l'écouter une fois et de le réécouter ensuite en dessinant en même temps. La première fois, ça vous donne une méthode de dessin. Puis la deuxième fois, ben, vous suivez avec moi l'illustration. Vous le faites en même temps que moi. Merci, vous avez remarqué, j'ai commencé déjà les jambes. Avec ces éléments rotatifs au bout. Là. Alors, voici sa jambe gauche, sa jambe droite maintenant, mais cet élément qui démontre que c'est un élément qui tourne, qui est accroché à sa hanche. En dessous, c'est comme des grosses roulettes. Ça me fait penser à l'intérieur des pièces de montre, des engrenages. On essaie de reproduire ces pièces. Pour avoir plus de détails sur ce personnage, faites une recherche sur Internet pour ce type de robot. Écrivez robot Star Wars, par exemple, et puis vous aurez toutes sortes d'illustrations que vous pourriez copier ou essayer de dessiner ce que vous voyez.
Ça donne énormément de pratique. Ouais. Une droite comme ceci. Et on colorie ça sombre de ce côté-là. Faire l'intérieur du cercle ici. Colorie sombre cette partie-là aussi. Sombre en dessous ici. N'oublie pas que puisque c'est en dessous du robot, il n'y a pas grand lumière qui atteint cette section. Alors on peut rendre cette pièce-là beaucoup plus foncée. J'essaie de penser à l'arrière-plan que nous utiliserons ensuite ou que nous dessinerons ensuite pour ce personnage. J'imagine le même genre d'environnement que dans la Star Wars deuxième épisode où ils sont dans une arène faite de sable et de pierre. Donc on pourra dessiner quelque chose comme ça pour l'arrière. Un petit peu de détails au niveau de cet engrenage à l'intérieur de sa jambe. Pas de la jambe, mais de la hanche. Voilà. Nous allons maintenant faire ces petits reflets métallisés sur sa jambe. En laissant un petit peu de blanc, ça donne cet effet de reflet. On colore le côté ici plus sombre. Et donner un petit cercle lumineux ici. On ira effacer un petit peu la mine à l'intérieur pour avoir un petit fond blanc. Mettre un petit peu plus d'ombre ici au niveau sa tête, son cou et l'arrière dans le dos aussi. On va rendre ça un petit peu plus foncé, donner une petite ombre. Comme ça aussi. Sur son bras, sur sa main. On travaille des détails. On ira compléter la jambe gauche ensuite. Alors, tout le côté droit devrait être assez foncé. Puisque la lumière provient de la droite. De la gauche, pardon. La droite devra être foncée. Tirer des lignes horizontales ici, dans le devant de l'abdomen, et des lignes diagonales sur le côté gauche ici. La même chose du côté droit. Diagonale, horizontale et finalement diagonale à nouveau. Et puis cette section sera colorée un petit peu en arc-en-ciel de teinte pour donner cet effet de reflet métallisé. Voilà, la même chose pour la poitrine, un petit peu plus foncée, très peu. Puis la jambe ici aussi. L'intérieur plus foncé pour cette pièce. Laisser une petite ligne de reflet. Colorie l'arrière très sombre. Maintenant, nous allons retravailler sur sa main. Puis il faudra lui faire aussi les éclats de canon. Ces lasers qui sortent des canons. Nous allons effacer un petit peu de reflet comme ceci. Comme je mentionnais, très peu de reflets sur ce personnage, puisque c'est un métallisé, métal brossé, c'est pas très réflectif. Travaillons donc l'effet de jeu de lumière. Plus sombre au niveau de sa visière. Maintenant, ses éclats de canon, les coups qu'il tire avec son fusil ou ses fusils. Colorions maintenant ses engrenages du côté gauche. Dessinons-lui les lignes d'engrenage ici, sur cette petite roulette. Un petit peu de dentelé. Très sombre en dessous ici. Le plus noir possible. Et maintenant, on peut travailler sur l'arrière-plan. Alors, voici une butte de sable. Le mur qui est en haut ici.
attention de ne pas arriver tout en haut du robot, il faut que ça passe derrière lui un petit peu. Voilà l'épaisseur de ce muret avec des colonnes et des cracks. Alors, on va mettre des cracks, des lignes craquées dans ce muret. C'est fait de terre et de sable et de pierre, donc on doit voir ce détail. Mais j'appuie pratiquement pas sur mon crayon. Je veux pas que le fond soit plus intense que mon personnage. Le personnage est l'élément le plus important, donc c'est lui qui devra avoir toute la noirceur. Tandis que le fond, lui, est un petit peu moins important, donc je le garde plus pâle. Voici les colonnes qui permettent de retenir ce muret, ou ce mur de pierre, avec une portière ici, que l'on colore d'une teinte médium, avec un autre cercle à l'intérieur que nous colorions un petit peu plus foncé, et un autre à l'extérieur ici pour faire une petite épaisseur de pierre. Petit détail. Comme ça, le dessus du mur ici. Alors, un petit dessin de 23 minutes aujourd'hui, 24 minutes à peu près, qui n'est pas très difficile, qui n'est pas si mal. C'est pas le plus beau dessin que j'ai fait, mais c'est une esquisse d'un des robots des émissions, des séries de Star Wars. D'ailleurs, la nouvelle bande-annonce de Star Wars épisode 7 est sortie il y a quelques jours. Et puis, voilà, ça nous donne le goût, hein? On a le goût de voir maintenant la continuité de cette série. Alors, c'est pourquoi j'ai sorti cette illustration aujourd'hui, pour nous donner le goût. Mais c'est pas encore avant un an. Je suis persuadé qu'on y arrivera assez rapidement. Alors voilà, quelques détails ici au niveau de ce muret. J'espère que cette illustration vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous le faire. Et puis, je souhaite vous revoir dans un autre épisode de Dessiner avec Paolo prochainement. Et bien sûr, un petit peu plus de détails au niveau de cette illustration de fond. Peut-être des lignes qui permettent de détacher la structure en haut du mur de la structure en bas du mur. Quelques lignes ici à gauche, à droite. Voilà, des vissements de lignes. Et puis tout ce qui restera, bien sûr, c'est de signer mon dessin pour dire que j'ai terminé. Voilà. Petite ligne comme ça. Et si ça vous tente, vous pourriez en mettre plusieurs autres robots comme ça en arrière-plan si ça vous dit, si ça vous intéresse. Gênez-vous pas, c'est votre dessin. Allez-y fort. Il semble qu'on va colorier la main un petit peu plus pour la détacher du fond. Comme ceci. Avec un petit peu plus d'ombre ici parce que le canon, lorsqu'il s'illumine, projette de la lumière sur le personnage. Donc, cette partie devrait être un petit peu plus pâle et le bras devrait être un petit peu plus foncé vers l'arrière. Avec un peu de reflet au niveau de son coude. Voilà, alors ma signature. Passez une belle journée tout le monde. À bientôt. À la prochaine.